Assalamu alaikum. Donc avant de commencer cette conférence, chers comdinaires, une minute de silence donc à la mémoire de nos anciens joueurs et dirigeants, ainsi que pour tous les gens qui sont partis de ce monde suite à cette pandémie. Nous remercions vivement tous les médecins ainsi que tout le personnel médical et paramédical et administratif de tous les hôpitaux pour leurs efforts, ainsi que pour tous les agents sanitaires, d'hygiène sanitaire et publique de toutes les communes d'Algérie. Donc tout le monde s'attendait donc à cette conférence, ça fait bien longtemps. Donc mes frères, mes camarades, mes supporters, les anciens joueurs, ainsi que les anciens dirigeants, salam alaikum. Cette conférence devait être programmée il y a plus d'un mois, mais avec l'indisponibilité des actionnaires faute de cette pandémie, et surtout que j'attendais le rapport du commissaire aux comptes pour le bilan du CSA. Pourquoi? Je ne vais pas m'étaler beaucoup, car l'importance était de voir et contrôler les dettes du club professionnel, comme vous le savez. Donc il avait géré le club professionnel avec une dérogation de la DGS. Donc il s'est avéré que l'AG 2018, qui avait refusé de voter le bilan financier, avait raison. Pourquoi? On nous a annoncé un bilan positif de 6 millions de dinars, or que sur ce bilan ne figure des impayés, aucun impayé de 2018, que j'ai retrouvé sur ce bilan. Pour le bilan 2019, il s'étale du 1-1-2019 au 31-12-2019. La première remarque de taille, pourquoi l'état de dette des joueurs est arrêté au mois de janvier? Pourquoi ce commissaire aux comptes ou bien son comptable n'ont pas demandé d'intégrer dans l'état de dette les 5 derniers salaires des joueurs de l'année 2019. 2. Des chèques en circulation de primes de Coupe d'Algérie. De primes de Coupe d'Algérie sont encore en circulation. Là, il a eu les 5 milliards. Sur les 5 milliards, le club professionnel en a bénéficié uniquement de 8 millions de dinars concernant les salaires des joueurs d'un mois. Donc, à partir de ce fait, moi, je décline tout ça et je dis que la responsabilité lui incombe. Pourquoi avoir laissé encore ses dettes et qu'au niveau des emprunts, tout a été remboursé? Quand on prend le tableau des emprunts, tout a été remboursé. Mais pourquoi laisser des joueurs qui ont participé à cette Coupe d'Algérie? Ils sont toujours en possession de chèques. Donc, le CSA a réglé la somme de 8 millions de dinars pour le professionnalisme. Pour cette année, je vous le dis franchement, j'avais hérité d'une mauvaise gestion et mon intégration comme PDG du CA, c'était une affaire inopinée d'un amoureux de club. Il n'y avait personne en août 2019. La GSMB n'avait ni PDG ni DG. Le conseil s'est réuni pour accepter la donation des parts de M. Mahlub. Il fallait prendre la place de PDG, sinon la GSMB ne pouvait reprendre du service depuis ce temps. Je n'ai reçu aucune aide financière des actionnaires. Parce qu'à chaque fois que M. Bouljloud dénonce que les actionnaires n'ont pas participé financièrement, on me dit « M. Bouljloud est un pleurnichard ». Ok, il n'y a pas de problème. Pour les TIAB, ils ont participé à 2 déplacements, plus la prime du MOB. Pour les Batouches, il y a eu un seul versement avant le match du MOB de 500 000 dinars. On a reçu une seule subvention de l'État, qui est de 20 millions de dinars. Une seule, par le biais du CSA, parce qu'on avait un contrat entre le CSA et le club professionnel. On a reçu uniquement 20 millions de dinars. Des sponsors, pendant ce temps, tout le monde s'est accalmé, tout le monde. Avec qui on demande des subventions, au moins une aide financière, personne ne peut nous aider, surtout pendant cette pandémie.
Donc nous avons une dette des anciens que moi, personnellement, j'étais pressé de prendre ce club parce qu'il n'y avait personne. Parce que maintenant, il faut appeler un chat un chat. Je ne savais pas, on ne savait pas pendant l'AG que les clubs professionnels, que son compte était bloqué. Une. Qu'il y avait des joueurs et des anciens entraîneurs, c'était une bagatelle de 2 milliards. Il fallait payer ces gens. Il y avait la CRL, il fallait payer cette CRL. Et en plus ça, il y avait les 5 derniers salaires des anciens joueurs. On a pu négocier avec eux pour la faire descendre à trois mois. Donc j'ai commencé avec un mauvais départ et c'est là le résultat final. Alhamdoulilah pour nous, c'était cette pandémie qui nous a sauvés. Alhamdoulilah, je le redis, parce que vraiment, à moi seul, je le dis et je le répète, à moi seul, je ne peux pas, je ne pourrai jamais faire quelque chose à moi seul. C'est pour ça que j'ai dit que s'il y a quelqu'un ou il y a un groupe qui se présente au niveau de notre bureau, qu'il se présente, je suis là, je suis prêt à tout. Ce n'est pas la présidence de la GSMB qui m'intéresse. Celui qui veut aider la GSMB ou celui qui veut ce poste, qu'il vienne, qu'il se présente à la direction. C'est facile de dire, Monsieur Bourgeloud, démissionnez, laissez la place. Si je vais démissionner, je vais laisser ma place. Ça, on va retomber au même problème l'année passée. Le même problème. Et il fallait changer les statuts. Et pour changer les statuts, il faut faire un conseil. Vous voyez que les jeunes, il ne faut pas s'empresser. Oui, le temps presse pour le recrutement, il n'y a pas de problème. On est en train de faire du travail. Mais maintenant, s'il y a des personnes, comme j'ai lu sur le journal aujourd'hui, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui se rapprochent du club. Et je cède la parole maintenant au président du CSA, M. Mourad Sadda. Comme vous savez, j'étais obligé de mettre ma candidature, seul candidat unique, pour reprendre le CSA, parce qu'on avait des difficultés. Déjà, le bilan 2018 a été rejeté par l'Assemblée générale, et j'étais l'unique candidat, comme par hasard, pour sauver ce club. Donc, je remercie déjà les membres de la DGS qui m'ont aidé, qui nous ont aidés pour récupérer notre bilan, toute la passation de consigne. Déjà, à partir du mois de janvier, on a fait des passations de consigne administratives. Mais réellement, on a récupéré tout, on a récupéré tous les papiers, tout avec M. Hawassi. Avec grâce à un issue de justice, mais c'est facilement. Un issue de justice. Les dernières réserves, les dernières, on les a fait le 29 juillet 2020. On a récupéré le bilan le 30 juin 2020. Dernier, c'est-à-dire, la minute prébarque. Comme par hasard, le bilan pour dépôt d'un bilan, il est reporté jusqu'à le 30 septembre. Parce que sinon, administrativement, on ne pourra jamais avoir ni subvention, ni rien du tout. Pour son bilan, déjà, de décembre a commencé, bon, l'Assemblée, c'était le 25 novembre, décembre a commencé notre travail. Et comme par hasard, on se retrouve, quelqu'un qui dit, je vais travailler pour les jeunes, je suis là pour les jeunes, je me retrouve avec des jeunes qui ils ont une seule tenue. C'est un issue d'Ariane, le mois de décembre, d'Ariane. D'Ariane, après avoir, Mathilde Akeye, il a dépensé presque 27 milliards. 900 millions. 900 millions. Il a dépensé 27 milliards, à peu près 26 milliards 700. Je me retrouve avec des jeunes offertes une seule tenue le mois de décembre, d'Ariane, une seule tenue. Oui, j'ai des dettes, bon, les dettes n'y sont rien, je prends le passif et l'actif. Mais allez, moi qui n'y suis le Wachoul, j'ai des dettes, n'y qu'un khalsa, n'y suis le mois de septembre. Moi, de décembre, déjà, offert une seule tenue. Et les gens, dès qu'ils reçoivent un adversaire, ils peuvent perdre le match, puisqu'il n'y a pas une deuxième tenue à changer. Donc, on était obligé de faire un forcing. Alhamdoulilah, nous reste une tenue, nous reste des survêtements.
On a démarré que bon, les dettes déjà, j'étais obligé de payer ma déchet. Ben, je me retrouve que le bilan 2018, il déclare la trésorerie est positif de 6 millions de dinars. Mais nous, le bilan 2019, nous fait dette 2018, 9 millions de dinars. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reporté les dettes 2018 chez Athna 2019. Quand il rentre dans 2019, on a dit que nous avons dit parce que je suis allé à la cour. Je suis allé à la cour. Je suis allé à la cour. ما نروح نسعى كلش كلش نويتي وقراص هنا على ديجاس واحد لوسيد جوستيس ماشي كي كان جونتيمون شحال شحال نسوفري ان بابي جيتي كلا روح جيتي ابسون بوندون 15 جور ديبونسي هنا شحال يقيم مسيو تيبان يقيم 15 جور يتزال ديس باش يفكي يختيت 15 جور انت تروح غرس روستاتي ديبونس 15 جور باش غيبروكي لي سيفونسيون 15 جور تروحو ورز كي جيتي ابسون مي تقلق شاك ماتي يسبريزون في لوي شاك ديف كريست فو فوايي كوم يفو ميم بلوكي تو تو قاد نكي كاش وورزمون ناكد نكي تبع بروسيدور ادمينستراتيف كي سوي با زان بونوم سوي با زان بونوم هذاك نكي تو راه كاين ميساعه كوريس مع الهضرة تاكني قرن الثقه في الوثيقه يجي مي دو تون مي الحمد لله On a récupéré tout. Il manque certains documents. Goumandifk. On a fait un rapport. Il reconnaît. Il a signé. Il a signé. Il a signé. Pas de problème. Il a accueilli notre bureau. A rejeté le bilan en 2019. Mais l'Assemblée générale, elle est souveraine. On attend l'Assemblée générale. Mais d'après nous, on le rejette. Mais c'est l'Assemblée générale qui doit prendre cette décision. C'est ce qui devient l'épreuve. Voilà ce qui se passe. C'est pour ça, heureusement, il y avait M. Abdelkrim, on l'a aidé. Kikshma, déjà, c'est pour aider le club. Parce que le club a eu un tchadjara de roue. Tchadjara de roue. Hakin Brada, elle n'a pas aidé. J'ai une seule chose à vous dire. Je fais appel à nos supporters qui créent la saisonnée au niveau du Facebook, du Wenna, qui ont des marais l'aïbad, à Kladeye, où on est avec le GSMB, à Slema, à Kladeye, avec la direction, à Kladeye, à Hidkel, même où tu me fais un marais, elle me fait un flèche de GSMB. On fait appel à tout le monde. Mais je m'agis là, je vais vous donner le silage de GSMB. Mais chez Kursb, à l'internet, le journal à l'internet, la télévision, on nous marais en critique. Que nous j'ai un bit douce. Les problèmes, non, on va les régler ensemble. Donc, c'était prévu l'AG des actionnaires. Donc, il n'y avait personne, à part le président du CSA et moi-même. Donc, monsieur le représentant des Batouches, il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, monsieur Bourgeloud, nous avons une urgence au niveau de notre unité, parce qu'il représente, les Batouches. Mais qu'on ne peut pas, il faut la différer. Donc, on l'a programmé pour dimanche prochain. Voilà, on a reprogrammé. Pour moi, c'est la dernière. Pour moi, c'est la dernière. Parce que là, s'il n'y a pas, si le temps presse vraiment, s'il n'y a pas, on est obligé de passer à une liquidation judiciaire. Là, c'est une dissolution. Maintenant, s'ils veulent, ces actionnaires, croyant, on aura directement la dissolution. C'est le rebelot, c'est chaque année, c'est le même scénario, Natalayem. Chaque année, c'est le même scénario, Monsieur Bouljloud, Imanis, Urizmi Rara. Je ne peux pas prendre en charge une équipe professionnelle Imaniou. Hadarachit, Sawadachit. Torebran, Addassin, qui clarifie leur position. D'accord? Il y a un PV, ils sont toujours, en tout cas, ils sont toujours sur les statuts de la JSMB. Parce que quand on nous montre un papier, c'est qu'ils ont remis les actionnariats, qu'ils ont remis au niveau de la DGS, au niveau de la Wilaya, puis qu'on croit qu'ils sont démissionnaires. Ce n'est pas comme ça. La procédure, ce n'est pas comme ça. La procédure, chacun doit donner sa part. Voyez maintenant, à la liquidation, il y a un commissaire au compte, Ardik Lahsabath, M. Bourgeloud, c'est l'électant. Monsieur Tiam, c'est l'électant. Monsieur Flint, c'est l'électant. Vous savez, les dividendes d'achat.
كان ونيف كان ديجا يدري من اصنق سنجلا بارين سي لاك ان دروا رومبورسمون نعم ولا شي خويا ونيف كان ونيف كان راه صافي 4-5 كون يا دي جون كي نو ريان دوني على جي اس ام بي لي زاكسيونير سي المومون دو دير باستا سي بو فولي افوار لو نو على جي اس ام بي ماشي كاين Je vous donne le cas de Mokhdad Soufiane et je ne vois pas qu'est-ce qu'il faut à la JSMB. Je ne vois pas, ça fait des années depuis la création de la JSMB, Rouessin, mais elle est allée à la côte parines. Haddad Soufiane. Jusqu'à aujourd'hui, on décide. On ne le connaît même pas. On ne le connaît pas, c'est pas le billet d'un huissier. C'est pas le billet d'un huissier, un chiasse à l'Isadès, inconnu. Nous sommes dans ce fond, celui-ci, il n'est que léchi. Alors, je ne vois pas qui. Maintenant, pour ouvrir le capital, ce n'est pas M. Boujoud qui va décider, c'est encore c'est le conseil qui va décider. Je me suis retrouvé, on est à deux. On ne peut pas prendre de décision. La seule décision, Ismaël, ok, on va liquider la société. On va la liquider. C'est une liquidation. En bas, le CSA, il va prendre le relais. C'est pas possible. Parce que, wallahi, l'état de dette, c'est tous les jours maintenant qu'on reçoit par le biais des huissiers de justice. Quand qui est des affaires, des zardoudes, des amranis, des tioures, des boujmas, c'est des personnes qu'on ne connaît même pas. Mais pourquoi tout ça? Cet acharnement, il vient de quoi? Parce que quand on nous donne maintenant. L'huissier de justice, mais Adies maintenant au nom de M. Bouljloud, président du conseil d'administration. Avant le courrier, Itzroho, au nom du président du CSA, M. Hawassi, c'est tout à fait normal qu'Alassin quitte les maladies. Il le jette, malgré qu'il a eu la décision de gérer le professionnel et de prendre en charge tous les arriérés du club professionnel, mais il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais payé un centime de toutes les dettes du club professionnel. Il n'a jamais payé un seul des créanciers qui existaient sur le grand livre de la JSMB. Alors, c'est le moment de dire basta. Si on veut continuer comme ça, sinon on a demandé une entreprise pour l'État, mais pour l'instant, on n'a rien. Pour l'instant, c'est américain, un tout les clubs. Une culture, on a acquis d'adresse sur le courant. Mais d'où est-ce que les papiers finalisés, que les papiers, tout ce qui se passe, tu as mal à l'adresse. On a dans la vérité d'un grand problème. Tu as dans, je vais demander à la DGS, le responsable de la DGS, au ministre de la Jeunesse et du Sport, d'intervenir. Parce qu'une culture, je vais hériter d'un très grand problème. Parce que les dettes, tu as les chèques, comme M. Hawassi. Il faut qu'il y ait au nom du CIASA. Donc je vais gérer, en tant que CIASA, en tant qu'association, la jeunesse du sport m'interdit. C'est le canon, c'est le règlement de la jeunesse du sport. Il m'interdit, le CIASA, il m'interdit de payer. Même les entraîneurs yamam, c'est des indemnités, c'est un secret. Au Turin-Kini, je me retrouve avec il qui les chèques qui sont bras, il y a 17 chèques en circulation. Et tous les membres de l'AG, ils ont le droit à une copie d'un bilan. Avant, on va à l'Assemblée Générale. Assemblée Générale, parce que vous avez le droit, aux membres de l'AG, c'est une copie d'un bilan. Tout le monde, je vais hériter d'une grande. Tout le monde, de la responsable de la DGS. Comment? Parce que je ne peux pas les payer. Je ne peux pas, c'est impossible. Les chèques, ils connaissent ça. Alors qu'ils devraient gérer. Qu'un professionnel gère ses chèques professionnels. Le CSA, il doit le sauvegarder. Qu'est-ce qu'il a fait, il a géré ce CSA. Le CSA, un banque ne se retrouve, que je ne peux rien faire. Inquiétez-le, à Brocacour, ça signe avec le DGSA, des contrôlisations. Avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, on a écrit et tout. À des contrôlisations, je vais rembourser ces gens-là. Ils ont travaillé dans le professionnalisme. Au coup de Kada, un autre, a signé Michel Al-Mincha, l'ancienne direction, le secrétaire général,
Il se retrouve en même temps trésorier. Chose qui est Je suis là pour ça. D'ailleurs. Okay, là, ça fait bien longtemps, même sur les réseaux, okay, quand je vois sur les journaux, parce que moi, je n'ai jamais dit quelque chose sur les, pour les journalistes. Il y a uniquement une fois, j'ai discuté avec un journaliste, je lui ai dit pourquoi la JSMB n'a pas de société. Et on a demandé la participation à la CAF. Pourquoi la JSMB a été d'accord, oublié pour la participation à la CAF. C'était juste un principe. Un principe, on était finaliste de la Coupe d'Algérie, étant donné que le CRB est déclaré champion. Donc je ne vois pas pourquoi la JSMB n'a pas sa part. D'accord ? J'ai juste c'est un principe. Ardininken et Washo, Gumanar Sersen Grakaf. D'accord ? Alors, moi, je vous ai dit, je le dis et je le répète. S'il n'y a personne, s'il n'y a pas de repreneur, il y a un Ekdif Kouli Ketsjok. S'il n'y a personne, tu crois qu'on va abandonner notre club? D'accord? On ne peut pas abandonner notre club. Ce n'est pas possible. Je ferai de mon mieux. Non, au départ, est-ce que ça a été? Jamais de retard. Tu vois qu'il a été l'indé, mais est-ce que ça a été? Et l'indé, tu vois qu'il a été l'indé. D'accord? J'étais vraiment aveuglé par tout ce qui était paperasse administrative. J'avais laissé la chance à quelqu'un pour travailler avec moi, mais la Ghalb, vous savez quel est le résultat d'être là. Mais est-ce que c'est non? Je le dis bien, la JSMB n'appartient pas à M. Boujloudé, monsieur. D'accord? Elle n'appartient pas. J'étais parti en tant que représentant du CSA. M. Bouchta et moi, on a été nommés en tant que représentants. Et quand on était arrivé sur le terrain, on n'avait trouvé personne. Personne ne s'intéressait à reprendre le club. C'est par amour du club qu'on était là. Et c'est pas même là. Les préparatifs, les mettre bidon. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il ne faut pas cacher. Il ne faut pas y avoir des ferrites. Le nerf de l'argent, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est un des joueurs de l'Imen. تين لي فورنيسور الحمد لله يا با بوكو دو فورنيسور تاعنا كان وذاك ني سهل مي اسكو انا با اتوند لا جي اس ام بي با اتوند توجور لي سوبونسيون دو ليتا كان اسكو لا جي اس ام بي با اتوند توجور لي سوبونسيون دو ليتا عندنا في لي زامورو دو كلوب اي سون او لي زامورو دو كلوب دو اي براس نقرا اي شعر اي سون او اون سي ديبلاسي بارتو باش عاد كني دائما C'est la pandémie. On n'a pas travaillé. Donc, franchement, ça va être très dur. Et la JSMB, je vous dis que je ne vous cache pas. Pour enlever tout ça, il nous faut une urgence de 6 milliards. Une urgence de 6 milliards. De 6 milliards pour pouvoir démarrer. Parce que, comme dit Nabi Koursalaha, parce que les gens qui sont en position de grosse justice, ça a 5 ans, les virements. Allez-y voir au niveau de la BEA, le compte bancaire nord, il est bloqué. Il est encore bloqué. Parce que je ne connais pas ces personnes. J'ai pu régler des gens à l'amiable. Avec mon propre argent, personnel. J'ai pu régler ça. Mais il y a d'autres, non, c'est des sommes faramineuses. C'est des gens. Nam Touran, sur le grand livre, 26 millions de dinars. Sur le grand livre, c'est-à-dire, oui, c'est des dettes qui datent de 2014, 2015, 2016. Oui, c'est des anciennes dettes. Ça, au niveau de la CRL, vers les 30 millions de dinars. D'accord? Alors, il faut les payer. Au niveau de la banque,
Il nous faut 17 millions de dinars pour débloquer la banque. Alors les condamnés, c'est dur. Ça va être dur. C'est pour ça que j'ai demandé une société, à Moulèche, comme dit, franchement, vaut mieux dissoudre la société et aller à l'avant. Et bien, Inch'Allah, on va travailler avec le cirque du club amateur. Et bien, mais au niveau de la liquidation, nous, Inch'Allah, au national 1, on va créer une autre société avec quelque chose de solide. De solide, voilà. Non, on a toujours 2 années. D'accord. Deux années en professionnel. Si on accède le statut. Un amen. Exact. On attend toujours. À quand? Pour la reprise. Au niveau sanitaire, c'est donc le stade Lopo, c'est la DGS qui s'en occupe pour tout ce qui est sanitaire. Au niveau du stade Ben Alouach, pour les petites catégories, à quand? C'est la même chose, donc c'est l'APC. L'APC en collaboration donc avec tous les services d'hygiène, donc c'est pour désinfecter. Mais ça va poser un problème pour les petites catégories. Comme les familles ou les petites catégories, parce que le stade, c'est un même bric en quoi, ils s'entraînent 2 à 3 équipes dans un même terrain. Ça veut dire un quart de terrain, c'est une autre formation. Mais quand, où est le problème non? De temps en temps, nous avons attaché sur un demi-terrain, tu vas te retrouver avec 35 enfants, 36 enfants, ce n'est pas normal. Donc, Inch'Allah. Donc, si c'est ça votre question, pour démarrer, tu auras carrément l'ambiguïté en dette. Est-ce que, M. Boujdoud a dit qu'il quand est-ce que les actionnaires aient à Dessin ou à Kimsouf en Tabra? Parce que s'il n'y a pas de repreneur, franchement, il m'a dit, où je me regarde à former une équipe, parce que pour former une équipe, est-ce que c'est même si un lab dans un groupe, choc. Et voir, le groupe est. Parce qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'avec une masse salariale de 800 millions, est-ce qu'il ne nous faut pas une masse salariale avec 4 bons joueurs? Quand? 4 grands noms? Il nous faut presque 1,2 milliard. 1,2 milliard, une masse salariale de 1,2 milliard et char. Imani ou Zmirara? Imani ou Zmirara? Donc c'est pour ça qu'il faut l'apport. Il faut un autre rapport des actionnaires. Et tu vois, il dit, c'est un actionnaire, il dit, moi je prends le premier mois. Il dit, c'est un actionnaire, moi je prends le deuxième mois. Il dit, moi je prends le troisième mois. Et qui est un mais on les 4 premiers mois, 5 premiers mois, on se met un slick. Le temps que l'État nous dénige, parce que l'État est en train de bouger un petit peu pour les sociétés. À quel cela. Parce qu'il vient de commencer l'un de l'MCO, l'entente, le GSK. Donc ça va commencer donc pour les autres équipes. Inch'Allah, on est dans l'eau. On va négocier avec tout le monde. Tout le monde sera... Parce qu'on a donné des avances sur le salaire. Oui, c'est un joueur 3 mois. D'accord. Dans 4 mois, la pandémie, là, il va dire qu'il dans même tous les clubs, et ils ont négocié à 50%. Mais comme il y a eu des fins de contrat, quand il y a un courrier, il y a 20 millions par mois. D'accord? Mais non, à Dessin, on va discuter à table. Mais le moment propice, mais tant que je n'ai pas définitivement clôturer l'affaire, les actionnaires, je ne peux pas avancer. Comme dit là, franchement, on ne peut pas s'avancer. On est un groupe, personnel, mais on ne peut pas avancer. Vous avez parlé de quoi les supporters à l'armée, mais de quoi on s'attaque. On ne s'attaque pas à ça. On n'a jamais dit un mot. On a dit seulement que mes dettes sont réelles. Les supporters, les dettes du club, elles sont réelles. D'accord? Parce que quand tu es un joueur et quand tu reçois un chèque
de 70 millions. Coupe d'Algérie et tu n'encaisses pas. Ça veut dire quoi? Un secrétaire général, tu veux maintenant qu'on va déployer? On va y aller. On va y aller directement au but. L'ancienne équipe, d'accord? Elle a des chèques en sa possession. Et maintenant, c'est des gens qui ont des chèques CSA. Maintenant, si M. Sadar va recevoir une subvention et qu'il se présente au tribunal, d'accord? Parce que le compte, il était Natixis. Et maintenant, M. Sadar a un, d'accord? Il a un autre compte. Mais maintenant, pour eux, ils ne sont pas payés. Ils ont un chèque, ils ne peuvent pas. Parce qu'il n'y a pas d'argent à Natixis. Ils vont s'attaquer au compte de M. Sadar. Par biais de la justice, ils auront gain de cause. D'accord? Donc ça va être encore des dettes qui vont être directement prises directement sur le compte du CSA. La deuxième, pour moi, les dettes sont fausses. L'état de dette, il est faux. Si maintenant on veut parler strictement financier, sur le volet financier, nous avons fait une lettre. D'accord? À M. Harani. On lui a donné tous les points. Tous les points, ils sont là. D'accord? Les erreurs. Regarde, moi j'ai dit, c'est pas moi qui vais juger. Moi, en tant que club professionnel, j'étais obligé de revoir un petit peu ce qu'il y avait comme dette pour le club que mes joueurs me réclament. D'accord? Les joueurs me réclament. Et des fournisseurs me réclament de l'argent. Donc il fallait revoir tout ça. Alors je l'ai eu. C'est alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Pour votre deuxième question concernant... Concernant la propagande, c'est aussi de... Bah, pour moi, je l'ai dit, et je le redirai toujours, même je l'ai dit maintenant. Marahaba. Qu'ils se présentent, qu'ils se manifestent, ces gens. Dire que je veux le plein pouvoir. Qui se présentent ces gens? Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez peut-être ces gens, ils vous ont approché et... Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je me suis rapproché de quelques personnes. Ils ne sont pas intéressés. Maintenant, si depuis 15 jours, il y a eu un changement dans leur attitude, s'ils veulent le reprendre, « Yahouya marhaba bihoum »« Marhaba, marhaba, qu'ils deviennent ?» Qui vient? Je suis président du conseil. Malhababi, qu'est-ce que Mohamed? On va se mettre à table. Je ne peux pas mentir. Alors, je vais te donner l'état des dettes. C'est comme ça qu'on doit travailler. Mais il y a des gens qui mettent les dettes. C'est comme ça. Non, c'est faux. Qui s'approche du club, on va lui donner noir sur blanc. Noir sur blanc. Un tiers des dettes du club. La banque est bloquée. Je vais lui donner couché par écrit. Mais tu es la rue, d'accord? Maintenant, si c'est la rue, JSMB, c'est grave. D'accord? Alors, là, le conseil d'administration, je suis le président du conseil d'administration. C'est les actionnaires, s'ils veulent m'enlever la couverture, c'est eux qui viennent enlever la couverture. Qui se présente? Oui, c'est bien de dire que les actionnaires ne font plus confiance. Dans la rue. Mais est-ce qu'ils se présentent pour faire un PV? Il faut être présent. Faire un PV, comme quoi les actionnaires, d'accord, refusent ou la déclinent que M. Boujloud soit président du conseil d'administration. Et qu'il nomme un autre. C'est bon. Moi, je suis actionnaire. Il n'y a pas de problème. Je suis là, je suis prêt à tout. Je suis prêt à négocier avec tout le monde. J'ai dit, la porte est ouverte, on n'a pas fermé la porte. Celui qui veut le plein pouvoir, qui se présente. Quel projet que tu as, monsieur, c'est Mohamed? Quel est votre projet?
On a eu des gens qui sont venus l'Indien, quelques supporters qu'ils ont ramené soi-disant des gens pour aider la GSMB. On n'a reçu aucun dinar. Aucun dinar. باش مسيو بولجلود واصون ديتي هذا 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 طلع يدري من بار بورسونتاج مسيو بولجلود فيرا جامي تيكسيس قد بالي يعني وذاك نسي بيرسونيل وذاك نسي بيرسونيل مي بور لا جي اس ام بي نو داكور سي بيرسونيل دونك يا با ديت لي ديت لي ديت سي دي 5 دي 3 موا 4 موا سالير لي جوا واحد كلا واحد كلا لي واحد كلا لي فورنيسور با بليس ميم لي فورنيسور اون با بوكو يا ربي اون سي اون ا 2 مليون 500 ميل دينار او نيفو فورنيسور با بليس نو اون سي تي سي سي ديريكتومون en direct entre le joueur et la direction. Voilà. Quand il viendra le jour X, on appellera ce joueur avec leur manager et là on va définir est-ce qu'il aura 2 mois de salaire sur les 4 mois. Est-ce que... D'accord ? Pour la question des membres, là j'ai changement écrit, c'était mon premier point. Même je me suis rapproché. Certains jeunes d'Inine, certains supporters âgés, c'est-à-dire mais si j'ai 30 ans là, Nirassen, il faut se rapprocher. Je demandais à la DGS, il dit que ce n'est pas le moment, tu n'as pas le droit de toucher la liste. Moi, c'était mon premier objectif. On a lu la liste, on s'est dit que le supporter a raté, je me suis rapproché. Je suis là juste pour une transition. Nirassen, juste pour cette transition. Même que je ne vais pas que personnellement, je ne sais pas si je vais continuer ou pas. L'idée, c'est le cycle olympique. J'attends Barak, d'ici une semaine, d'ici 10 jours, on a l'Assemblée générale. On va voir qu'est-ce qu'ils vont décider le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le cycle olympique, Makim Nassami 2021. Donc, on sommes obligés de. Dès on aura le temps de faire un changement au niveau de l'Assemblée générale, avec l'autorisation de la Jeunesse, de la DGS. On ne peut pas toucher quelqu'un, on ne peut pas. J'étais moi seul et déjà, je me suis rapproché directement. Je n'attends pas quelqu'un, mais il faut mettre des nas et des jeunes. C'est eux qui vont prendre le flambeau de la GSM. L'objectif, et nous, là, c'était ça. On se retrouve avec 112, vous avez Gmouten et Moron et tout. Nous, t'as 60, 70. Ils payent leur cotisation, ils payent ça, ils payent. C'est le flambeau. Donc, ah, qu'il a un frère. Et puis, c'est à ça que subvenir à ses besoins. Et là, si bah, là, le CIA, avec tout le subvention qu'on a par l'État, déjà, subvention qui est intenique, le CIA, ça. CIA, ça ne demande pas beaucoup. Hein. L'ARS, c'est le Wachoulik, elle est bien. أتشن مليح أدقن مليح لي زونترينور أثان كاس كاسا خلص على كلش لي زونترينور خلص غير دوي واحد يصير يخدم منين وجاو ما دي وين ميم وإذا كيخدم من واحد ليكيب بريزيدون كي كي بريزيدون جو لا جو دي زاكوش با جي با دروا كي سي لاسومبلي جينيرال كي دو ديسيدي كي جاكوش بيرسون كي بور موا سي دي ليستوار اونسيان كي سوي لا بور لي ترانزيسيون ومن بعد ما بغي نروح نروح على زيليكسيون جو في نبريزونتي سينو basta moi de décider. Je suis en train de faire l'enquête, je suis les entraîneurs, je suis tout le monde. Six mois. Le bilan, il est préparé. Même le bilan, il est préparé. Le bilan financier et le bilan moral. Il est prêt. Tu vas être escamoroch, à sa cour, c'est le bilan. Passe à son consigne. Garanda, je peux la faire à Chale, 24 heures. Parce que tout est préparé, tout est légal. Ah! قال على خير اوفور مسيو كي عين ربي في لامان مي كون جا اوسي غاد خلع مرتو قارون دحكون دي لي زونسيان ديريجون مرحبا نتي جو با لي ليسي فار باسكو سكاذبن سكاذبن دراسوم لي جينيرال نو سوم لا نو سوم ان بروجي الوشول اوف اي ميك جو جو فيان المو ديسمبر جو ريبرون لو سياسا المو ديسمبر جو مي ريتروف لي جينيرال كداريانا
Alors que 27 milliards, 27 milliards à dedans. Les déplacements, c'est le question, c'est le mécanisme, c'est nous deux, c'est les entraîneurs. 1 milliard 500, 15 millions de dinars, ou de qui m'en sort. Ou de qui m'en date. Ou de qui m'en date. Ou de qui m'en date. En sorte que stade en sorte, on dirait de l'équipe nationale. C'est un date, coulis. Je vais leur mettre le bâton dans les roues, l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, je suis Gbarra, Gbarra qui est Khatiye. Je suis l'équipe, Gbarra qui est Adral, Wachir Mzian, Tkellihal, Wachir Mzian. Qui est dans le cadre réglementaire. La majeure de la D. Salam alaikum. Qui est la Bayad d'Adra, Zouhani, pour la GSMB. Le moment des mots de GSMB. Même si la GSMB, même si la GSMB. عندي صوت يا سامي تلاقى الاعلى تلا سان كروند ايكيب سي لا بريمير ايكيب اي لان بروفيسيونيل تورا قل جيري تبرا بري جيري نجي اس ام بي بريت مراتيني سلا دي لا كيسيون سيد وين ممكن تقارن في ليكيب يعدان لي ديريجون يعدان حمولدي كم كان نبذو لا سيزون هذاك لي داتاي لان ادي جي لكل هنا على السياسة كي شو تريزوري السياسة هم كارا تخلصوا اللي جوني اللان ستين تردي جيجان تخلصت ان بيس بريزيد دوار دي خلصت كان دي جوال شك 60 مليون سي با نورمال دي جان تبدان اللي ندي خدعان سر خدع هي بدان هنا يكون لاش اللي دات فوند اللي دات هنا يكون لي جان نغير الكل تريبيان نفقد لي جان وبدن ولاش نو بولاش ومن بعد كي هضر بيرون 2018 هي با دات ومن بعد 2019 خاطر انت ولا كاين خاون قوم ناظر هم يسعى الكارت كيفاش لنا كل شيء هذا يمكن يوير سير روجت بار لاسومبلي تبرون قرون سن بيوتونك سياسه اوتونك تريزوري هو تخلي صغوم مليون يون قال تخلي صغاره خاطر باش هذا لي سيبورتير يشد يشد يقبران القيل والقال هي شط القيل والقال هي لي سيبورتر هي اللي كي راه روح قلا بين تما لقى كل يوم كنت فاهمين ها كنت ناظرين دا شو يلا حمود ديك مرات سلغي هي البريزيدون او ميم طون يقرا لك كي الناس قال داف هي ناس كي خلص غير اللي لي جوار تان قال داف زعما تشي جبت زرت جيب لي لي جوار هي رانا غادي عيط يا علي قالوا لي انت ما كليتش وما خليتش شكون ياكل ها جات ورانزر مي كران دايما كجري يا علي تيجي الهدف ذا إذا سلايستي يا اللي جن تختار ما أزعل من اللي جن الخاوة نو فاتنا بكين سيل تونيو هو كان دي سلا دبرس كيف الماتش يروح الحمد لله نسالي اللي جن أزعل ما يمكن كلاسيني الكل ما مري كلاسيني الكل مليح الكل البوديو عندي بغيت بشت بشت اللي جي اس ام بي انا كان معاوني الكل ما يلي وين بودي ايدي لا جي اس ام بي غادياس ها ويد كان الخير ويد كان ربح الجهاز سامبي ها روح ايما مرحبا داك لي زونسيان داك لان هو نديوسان مرحبا سيس يمكن الجهاز سامبي تدرس بغل الغرق هي كاشوز لا خاطر اللي ندين وش بدا راه مليح الخير خاطر وين يبغان يتحبين الكلاب توطط غلا كوب دالجيري هكا لاكسيسيون تروح دبو هو كان سرحي وين وايتنين الماتش نشرب ذا عايز حراش تلاق نولي غير خاوة تقلق ناسيونال اون هو بان فريق تي صغر بان هو بان فريق كزي تي صغر بان ترنيت فوق تراكم درجة سايد تيني كيبي يغلبن لي ميور كيب دالجيري هيني كيبي يغلبن بارادو هيني كيبي يغلبن الاسمات ستيف اه ايه مبايا يتسم زبتين كي غنصص الحراش تنقر لك تغلبها هم سعالي كيب نغلب شنو كي الحاجة شلب سي با نورمال الخاوة فناظري الكل في الحوايج ماشي وين يدي يوزان باش هاد يسدو لي كاس كروتيس هاد يبغو غادي يقيم وين يبغى قاطي وين يدي وين يدري من هاد يقيم وين يدي وين راهو تسقى ما يرى ماشي وين يبغى يسدون القاطوين حاجة باربا دفع تفكتور القاطو 35 مليون لاعب ماطي هذا لاعب ماطي هنا هضرها في كاس كروتي هنا هضرها في اثنين نهار خاو هاك قرنها هو كان اللي قيم اللي مزوالي خبزيست ما الا اللي خبزيست مي سون با دي بولير سكر نرى ريت تكرنا الخاو تكرنا لا وين يبغى ندي سغ جهاز سمبي غادي هو الخاو غادي يسوي انا ما كيتقارن اغدي وين هادي
وكان يبغى حتى لي جي اس ان بيان الخاوه كانت تقيم ليكيب وكان يزرق خاطر سي نسي سدان سي اس ان سي سدان سي الخاوه كنت فرنسي صغر بعدا كان مي سدان سي اس ان تغلبت ليكيب لي زيكيب العاليه توتت تفوك لا سيزون هي ريكونفونسيون مالي جوار ني غراس ندان على وين ما كيسقر نناي سكن كيني غزلتنا الميرا كعاون كيلبيرون الميرا كيلبيرو غا ويدك يخسروا تاع ويدك ادج اقل ندي زاد الميرا كيخلص ها كيعاون نزل الميرا كيعاون نناي سكن عاون هنا ريسيبسيون اويد لي جوار وما سن مام لي سيبورتاس نعطيكم صحه مارغريكس نغلا كوب دالجيري هنا غاني لا كوب دالجيري با لاربيت مي إذا رانغورت خمام على زلي باطون دور دون لي روي إلي بريزيد هو أنا سميت من تال سياسة ديروغاسيون هنا با بلي الخاوي فو با هنا با بلي لي مومبر لاسومبلي بيرسون وري علي هم بعد سميت بكان يسد وين مكي سقارن يا النوتر هات سقل غروم كانيس سياسة غيمانيس سيمانيس على خمس شهور خمسة لي ماتش باش يسد غدي غري غلا فين دلنا نروح مثلا على صومبلي غاسك هاسك قبل ما دي طفنا خاطي هو شيت تو شيت نتا دات فاسيا سيا سمت سيا سان نيك داود وين تبغي تقدم ما ملي دي ريجون دي داود وين تبغي نجاز يخدم بور لانتيري دو لا جي اس ام بي هما اللي ندير ما ننسى هو يكون دينا زايتين الخوال مازال تقيمي اذا شي خاطي الحال نكيان حطونك تريزور ديكيب نسجل نويدي ريمان pour faire un bagarre an khalas sharar bacham kara dnawi drwa jwar rouh gha sal khawa plus qama wahed wa 50 drwa jouri mazal mil din l'ouverture de mercato ta deg da mil stade ta bat grand stade da wta wala ma daril kel dili ad ya tari wan sinna ta den zata ka salam alaykum wlaj wa ta den zati am ba da shadi shwayt shwa شنو هذا الكات ني غادي نسمع هذا ربي غادي ديك ديبونس يا روسات باش لا تريزوري غادي تعدي مني بور فير فيت نروح نخلص سيارة فعمر خاو يقيد بك الكات هي هنا هي كراسو ولي ال دي جي اس باش يبكي ياخذ يبكي ياخذ دما سانس كي بلا الميركاتو اينور تو سغرينا لا تريزوري تعاود سغر لا تريزوري هي دري من سيبونسيون قيمة قيمة غلا تريزوري بلوس دين سومان كنت ورغة ان كنا نزغر بونكا لي جوار لنا على نوايتنا مكي تقار لا قراف هذو حنا لازم هنا قطيع خيميري بو كانوا مع برومي ماتش هات نمسان لا قراف امير نودن شو جداري بريمن وروحنا رغة تلمسان هو كان يبكي هذا الكاتني وكان يبكي قبل تلمسان نرنا نصروح الماتشني لو ديرني جور هنا وين يدري من خلصيت انا بعد كان باش نخلص روح انا لازمو هو الكل درا على كنيسه قرص دي هذه باطون دون لي رو احمد هكا نادي الخوا انا ابل او سيبورتر يا لي سيبورتر وتخمم مره في الكلوب نون لن يرجزن انا انتو ردينا سور بلاصه انا تزلن بالك انا تنو ما فينا باش يعني لي سيبورتر ديني شويه ما ريكوريت مول لنا ابدا نتزلن وينار الخوا هو ينرى مي جو دوموند احمد ليكم وي بغانا ديسن هو لا داني وي كي بغانا ديسن هذا الخدمه من مرحبا سيسن مدو سنارا هاج اللعاب هذا الخدمه ماذا بهم يعطيكم الصحه جو بو رومرسي دونك دو فوت بريزونس انكور اون فوا جو تيان رومرسي لو باترون دو لوتيل سارازان كي نوزا تو لو تان ايدي il c'est un amoureux de la JSMB c'est un ancien de la JSMB donc il est toujours dit non que je tiens à le remercier et surtout il fait partie des hôtels qu'ils étaient pour le Covid-19 et je remercie toute la population et toutes les associations qui ont travaillé pour le Covid-19. Subhanakallahu wa bikum. Inch'Allah, hadi lil khayr lil JSMB.